Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Fallout 4. Donc, chers amis, on avait précédemment fait la découverte de cette ville de Netherwood. On va donc maintenant aller faire un petit peu d'exploration. On va partir d'un endroit qu'on aurait déjà fini. Je sais que là je vais en chier si j'y vais, mais bon, c'est pas grave. En espérant qu'on tombe pas dans un groupe de super mutants. On va continuer donc à faire un petit peu d'exploration vers l'est, si je ne me trompe pas. Et en étant très attentif à ne pas tomber dans une zone buggée. Il y a une zone qui est buggée dans le jeu et qui permet de faire crash, enfin qui fait crasher le jeu. Voire corrompt la sauvegarde d'après ce que j'ai entendu aux dernières nouvelles. Donc bon, on va éviter ça. Hop. Très beau flingue quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah non, c'est encore mieux, c'est des ghouls. C'est des synthétiques. Oui, cible repérée. Le détecteur détecte une présence ennemie. Voilà. Système désactivé. Hop, viens par là. Parfait. Alors, si je ne me trompe pas, la zone dangereuse est par là, donc on va plutôt grimper dans ce sens-là. Hop. Ce serait plutôt cool. Donc ce qui veut dire par là. En pleine nuit, cependant, ça me dérange, je l'avoue. Surtout s'il y a des synthétiques autour. Ça risque d'être problématique. Ouais, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Térébenthine. On va prendre de la térébenthine. Pas grave. En fait, j'aimerais trouver un banc. Soyons honnêtes. Si je trouve un banc. Moi, si je peux m'asseoir sur les chiottes, non, même pas. Ou même une chaise, hein. Le gouffre du vieux gosier. La gueule. La gueule. Il y a une bombe qui se tombait juste là. Ce serait fou. Par contre, il y avait un lit en bas, je crois. Non ? Peut-être que je me plante. Par contre, je serais pas mécontent de trouver un lit en fait. Oh, t'aurais pu dormir dessus. Oh, on y voit que Pouic, hein. Vous savez quoi, on va s'asseoir sur le banc. Hop, sur le canapé, pardon. Et on va attendre. Il est actuellement 3h du matin, on va attendre 3h. 4h. Allez hop, bon, 4h. Hop. Et nous y voilà. On est bon. Et maintenant, on progresse. Hop. Apparemment, il y a un truc par là. Hop. Pépinière Green Top. Green Top. Des habitants. Bonjour. Pas tant d'ennemis que ça. Je vous rappelle qu'on a des mods pour augmenter le nombre, enfin, en tout cas, l'apparition des légendaires. Ce qui pourra être très casse-couille vis-à-vis des. Vis-à-vis des moustiques, par exemple, dans le coin, je pense. Ouais, des trucs. J'aime pas ça. Oh,
ton trou. Bien essayé. Oh merde. C'est vous qui vous avez créé, humain. Vous allez payer pour votre arrogance. Oh la vache, il me fait tellement mal. Appelé, au cac. Mais non. Merde. Appelé, headshot. Hop. Hop. Aïe. Tu vas me le payer. Maintenant, je suis en colère. Ok. Normalement, il y a toujours le légendaire, on l'a pas vu. D'accord, il est dans la maison. Oh la vache! Je me suis pris. En plus, on l'a bien vu, je me la suis prise en plein cœur. Hop, hop, j'ai pas fait de sauvegarde rapide depuis. Merde. Fais chier! Ah, je chie dans la colle. Je suis désolé, chers amis. Je suis vraiment désolé. Hop, bon, bah c'est pas grave. On y retourne. Ah bah, comme ça. Vous savez quoi? On va essayer. Supplie-moi de t'épargner, t'as cru toi. Putain, quand je vois les points de... Le peu de points de compétence qu'il nous donne. Hop. Ah putain, un canigou, non. Ok, elle est cool ta vie. Critique. Je l'ai. What? Les humains ont plus leur place ici. Oh putain! C'est pas possible! Ouh! Ouh, c'est stylé ça! C'est le fusil à plasma? Et je reprends au tout départ, presque. Putain, c'est chiant. Oh merde!
Oh, fait chier, ils me font chier avec leurs grenades. Oh putain, je suis en train de crever connement. J'ai deux mini-bombes. Faut vraiment que je me soigne, hein. Ok. Ok. Lui, il me tire à travers un mur. Hop, sauvegarde rapide, on y pense. Alors, ça chauffe ? Tu cognes comme rat de cafard. Frost insulte. Non, stupide clébard. Oh merde. Voilà. Putain. Ennemi de merde. Ça va, Canigou? Putain, on aura chié à le battu, là. On récupère tout. Pas la peine de se casser le cul pour rien. On va dormir 12 heures. 24 heures. Hop. Ce qui va nous soigner. Et nous donner un bonus d'XP. Hop. Et en plus, on retrouve le matin. Donc c'est cool. Hop. On se fait pas chier. Oh là là. Allez, un peu plus vite que ça. Hop. Ça y est. Canigou a trouvé quelque chose. Qu'est-ce que tu as trouvé, mon chien? Ah oui, bien vu. Bien vu, bien vu. La bouffe, ça c'est cool. Ok, on a gagné un niveau. 24, donc je peux pas le mettre. Ok, voler les armes équipées, ça peut être drôle ça. Alors. Alors moi ce que j'aimerais avoir, chers amis, c'est la poupée Voltech pour réussir à faire ça. Empêcher les gens de m'attaquer. Je trouvais ça intéressant. Ça peut être intéressant aussi, ça remarque. Hop. Ça c'est pute. Ok, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on rajoute?
Qu'est-ce qu'on rajoute? Je sais pas quoi prendre. Nom de Dieu. On va prendre forgeron pour améliorer les armures de corps à corps. On va pouvoir utiliser des armes de corps à corps. Voilà, c'est dit. C'est dit. Nord-est, voilà. Oula. Je déteste quand ils font ça. Ça chauffe, Marcel? Hop. Ah, je suis à moitié aveugle. Hop les, ça fait mal. Bon bah je suis en train de faire le plein de cocktails Molotov, ça c'est cool. Waouh, il y a un gros bâtiment de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est? Il y a un pont. Ah, il y a un petit point de passage ici. Hop. Avec des trucs. Boucher d'écureuil, miam miam. Canne à pêche, prendre. Pollution. Oh, il flotte. Putain, cette physique. Oui, je fais le fou. Il y a un gros bâtiment, j'ai envie de voir ce que c'est. Oh, la gueule. Un beau bâtiment. En plus, il est pile sur mon truc. Bah non, c'est pas possible parce que j'ai pas mis, il y avait pas de marqueur. Ouais non, il est pas exactement dessus. Waouh. C'est joli. D'accord, Parsons Asylum. Parsons, c'est pas le nom de Jim Parkson. Non, c'est Parkson, je crois. Dans The Big Bang Theory, l'acteur qui joue Sheldon, est-ce que ce serait une référence? Je sais pas. Quoique c'est peut-être Parsons. Mercenaire. Bonjour. Pourquoi tu m'attaques? Oh la vache, mais il fait mal en plus. Liquidez-le. Ok, c'est moi qui t'ai liquidé. Plastron d'armure de combat. Ouh. Bah attends, 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 parce que si le plastron il est cool, moi je l'équipe, hein, y a pas de problème de ce côté-là. Hein. Tenue. Déjà ça. Hop. Je préfère celui qui est bien jaune en dessous. Ça peut être cool ça aussi. Oh. Qu'est-ce que j'ai moi? Plastron en cuir. Ah ouais. Avec poche. Avec poche. Avec poche, avec poche, avec poche. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Voilà. Ah oui, sulfateuse, j'avais oublié le nom qu'elle avait. Effectivement. Asile d'aliénés de Parsons.
tu vas morfler. J'allais justement me demander s'il était tout seul ou pas. Ok. Bien équipé quand même. Artilleur. Ils sont drôlement bien équipés. Ah, ça rend pas mal. Parce que là, c'est avec une tenue, vous savez, une tenue justement qui... Préparez-vous à tirer. Je l'ai pas vu. Oh putain. Hop. Putain, ils font mal. Oh la vache. Oh la vache! Ok, ils font extrêmement mal. Et apparemment, ils m'ont repéré. Allez, vas-y, le chien. Ok, j'en ai eu un. Hop. Ose en sortir ta tête. Ok, il a fait un peu plus. What? Putain, mais le lancer de grenade qu'il vient de me faire, ce mec. Putain, les Jeux Olympiques, quoi. What? Je veux sa tête. Si tu me dis que t'étais protégé par un buisson, ça l'aurait pas fait. Hop. Putain, mais le nombre de mercenaires. Continue à tirer. Merde. Ok. Hop les. Ça va Canigou? Tu te remets? Oh la gueule. Oh putain. Le truc de fou. Tout ça pour ça? Il doit y en avoir un qui doit avoir la clé. C'est pas possible. Putain. Non là le mec je l'ai pas tué là tout à l'heure. Ah oui c'est le bordel que j'ai jeté. J'avais pas capté ce que c'était tout ça. Waouh la gueule. Tout ça pour ça. Bon, on va rentrer à Diamond City. Parce que j'ai pris trop cher. Bon, on voit bien que j'ai fait une ligne droite. Ce qui est pas plus mal, remarque. Ça me permet de pouvoir partir dans tous les sens comme ça. Il y a le musée de la sorcellerie ici. Si tu le dis. Ici. Diamond City. Ah non! Putain, quel con! Il y a l'autre ghoul. Merde. Ah, orange. Putain, faut alors que je rappelle Orange. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Hop. Bon, un instant, faut que j'appelle Orange.
Hop, à tout de suite. Re, chers amis, bon, soyons honnêtes, Orange, c'est de la merde. Alors. Je sais pas ce que je fais, je sais plus ce que je fais. Bonjour. Bonjour. Ah si, j'avais de la bouffe. Dégage. Laissez-moi tranquille, d'accord? Hop. Parfait. Pas ce qu'il faut. Ok, rat de cafard grillé. Rat de cerf grillé. Viande de fangeux. Parfait. Et un bol de nouilles. Parfait. T'as pas l'air en forme aujourd'hui. Parfait, parfait. Oui. Bon. Y'a quelque chose qui cloche? Ouais. On s'en sort pas trop mal. J'ai pas la pêche. La vie, c'est une question d'équilibre chimique, c'est tout. Par exemple, si tu travailles trop, ton corps tout entier marche au ralenti. Vraiment? Puisque je te le dis, travailler c'est l'horreur. Ah la voilà, regardez, elle porte un masque. Aucun crâne ne résiste à une authentique cogneuse. Merci. Ah oui, ils vendent des armures ici. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Je peux pas le soulever. Oh merde. Ça n'a rien passé. Il s'est rien passé, vous n'avez rien vu, chers amis. Vous n'avez rien vu. Bref, Orange, c'est de la merde. Oui, je rajoute une couche, j'en ai rien à cirer. Salut, bonjour Becky. Bonjour. Vous avez déjà eu l'occasion de venir ici? Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut faire? Je ne gère pas une œuvre de bienfaisance, tout simplement. Les vêtements sont à vendre si vous avez de quoi vous les offrir. Défense de les faucher, ok? Problème de vol? Vous avez un problème avec les voleurs à l'étalage? En général, une petite discussion avec mon fusil à pompe. Maintenant qu'on se comprend, bienvenue chez Fallons. Je me ferai un plaisir de vous montrer ce que j'ai en stock. Les sous-sols de Fallons? Les sous-sols de Fallons. Intéressant comme nom. Oui, c'est un très vieux magasin. Il y avait déjà un Fallons ici avant la guerre. Mon grand-père disait toujours qu'offrir des vêtements de qualité à prix abordable était une tradition familiale. On dirait que les prix abordables sont tout de même trop chers pour certains. Maudits voleurs. Et bien sûr, je ne peux pas compter sur la sécurité de Diamond City. Pas d'aide. Pourquoi de la sécurité? Vous ne pouvez pas compter sur la sécurité? Oh, mon mari s'est fait enlever, ok? Par l'Institut. La sécurité a refusé de se pencher sur cette affaire, alors j'ai fait tout un foin. Résultat, je me retrouve sur liste noire. Intéressant, l'Institut? Votre mari a été enlevé par l'Institut? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est plus là. Et ce n'est pas comme si l'Institut laissait des traces quand il manigance quelque chose. Sauf ces fichus synthétiques, bien sûr. Les synthétiques? Qu'est-ce que vous savez sur les synthétiques? Juste ce que j'ai lu dans les journaux. Une c'est l'Institut qui les fabrique, et certains ont tellement l'air humain qu'il est impossible de faire la différence avec des gens normaux. Quelle veine j'ai eue, hein. L'Institut m'a enlevé mon Charlie et il n'a même pas pris la peine de le remplacer. C'est con. Ok. Quelques minutes pour jeter un œil. Enfin, ça fait plaisir de voir des clients qui paient. Oh, mais le rien. Bras droit de champion. Hop. Plastron de champion. Pas grand chose de vraiment utile, hein. Elle a même pas énormément de fric. Hop. Ouais, ouais, ouais. Au niveau des armes, est-ce que j'ai des armes moisies? Non. Du jet. Alors. Merde, j'ai fait annuler, non? J'ai fait annuler. Hop. Ok. Hop. Voilà, je te pique ta thune. Merci. Où est la sortie? Là, d'accord, ok. Je croyais que c'était un meuble. L'espace d'un instant, j'ai cru que c'était un meuble. Merde, j'ai cassé les... Fais chier. Hop. C'est pas un crime de prendre des drogues de temps en temps, vous savez. S'il vous en faut... Regarde, c'est pas des personnages uniques qui apparaissent. On m'a dit qu'il y avait parfois des personnages uniques qui apparaissaient dans la ville. Il y avait un mur, là, avant.
peut-être. Oula mon gars, j'aime bien les flingues moi aussi, mais vous trouvez pas que vous en faites un peu trop là? Qui a besoin d'une bonne... Oh je sais, je vais aller me rendre au... Tout le monde, ne soyez pas timide. On va aller voir le trou du cul là. Voilà. Poussez-vous. Poussez-vous, carrément? Cassez-vous, il l'a dit, ou poussez-vous? Je sais pas. J'ai pas fait attention. Bonjour. Ah, Travis. Non, ah non, même pas. J'ai cru, merde. Résident. Je prends votre commande quand vous voulez. Résident. Résident. Yo, l'ami. Une chambre. Comment vont les affaires? Alors, comment vont les affaires? Rien dont j'ai envie de parler. Ok, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Mes défenses de dormir sur le canapé. Et ton copain, il est où? Oui, ne me parlez pas. Ça pourrait attirer l'attention de quelqu'un. À boire! On sert meilleur ton boyau de la région. Oh, vous évitez les ennuis? Vous arrivez à éviter les ennuis? Vous venez prendre une nouvelle de Vadim? Oui, j'adore. Pas de soucis. J'ai détruit pont, avec tous ceux qui auraient pu vouloir me tuer à cause de dettes. Tout va bien, camarade. Ok, peut-être. Je ne fais que regarder. Une autre fois. Oh, salut. Dites-moi quand vous voudrez commander. Tu me sautes dessus, c'est... Ça me dérange pas, mais... Fais attention quand même. Je pourrais en vouloir un peu plus. Un instant. Je refais une petite coupure, je suis désolé. Voilà, excusez-moi. Waouh. Putain, j'en chie. Ok. Peut-être on sort. Qu'il vaut mieux partir d'ici, finalement. Si l'article... On va y arriver. On va y arriver, chers amis. Hop. Alors apparemment, il y a des bâtiments qu'on n'aurait pas fouillés et certaines personnes me le disent de les fouiller sur Steam. Science Center, on l'a pas fouillé, c'est vrai. C'est quoi? C'est ce bâtiment-là qui m'intriguait le plus, moi. Maison de Myrna, ah oui. Oula, non. On range notre arme. La serre, ah oui, il faudrait qu'on fouille aussi la serre. Résidence de Pembroke. J'ai arrêté de boire d'alcool après m'être installé ici. Les toubibs m'ont dit que j'avais bousillé mon foie. Écoutez, je vais rien acheter. Il y a 4 odeurs de... Je sais pas ce que vous voulez, mais je ne... Les nouilles, le sang, le shampoing et les munitions. Ok, marbre, clé nécessaire. Vous préférez faire vos emplettes la nuit? Le surplus de Diamond City est ouvert. Ouh, c'est quoi ce bâtiment? Maison de poly, d'accord. Vous vous habituerez vite à l'immobilier. On a déjà fait le tour, merde. Nuka-Cola. Oh, j'avais pas vu dans le fond, c'est sympa. Mais j'ai l'impression de rater quelque chose, c'est casse-couille. Mes copains disent que les étrangers sentent mauvais. Mais vous, pas du tout. Il y a un endroit là-bas. Maison de Sheng. Ah bah merde, toujours pas alors. Putain, tu l'as vu, bah tu la verras plus tant que j'aurai pas le droit, je vais vous laisser faire la suite. J'ai l'impression qu'il y a un endroit de la ville dans lequel je ne vais pas. Endroit important. Oh non, je ne sais pas ce que vous voulez, mais gardez ça pour vous, ça vaut mieux. D'accord, parce qu'il y avait un mec au sol en fait. C'est vrai ce qu'ils disent dans cet article, tu sais, sur le maire. Moi j'ai rien à lui reprocher au maire, il nous a protégé des goules, non? C'est pas faux. Salut, j'aimerais bien vous parler, mais j'ai pas le temps. Chut. Tu veux qu'ils t'entendent, c'est ça? J'ai l'impression. La seule boutique à être ouverte 24 heures sur 24. Je me demandais si vous alliez vous montrer. Oh. Non. Je ne veux surtout pas déclencher son truc à elle. Non mais je trouve pas. Il y a un truc que j'ai pas fait, c'est certain, mais alors quoi? Il y a un truc là. Vous avez eu l'occasion d'aller à Good Neighbor? Certainement, un vrai monsieur. Troupeau, mais... Tout pour les résidents des junkies. C'est ce que j'apprécie chez toi. Oh. Wingham. Tu connais ta maison place, coloniale. What? Allez, viens Darcy. On s'en va. Du calme.
J'ai pas l'impression qu'elle ait très envie de partir. C'est entre ma femme et moi. Et si tu t'occupais de tes affaires pour une fois? Mon Dieu, Paul, pourquoi t'es toujours obligé de me faire une scène? Serre-moi encore un verre, Henry. J'en ai ma claque, Darcy. Je veux rentrer à la maison. Vas-y, je te rejoins plus tard. J'arrive pas à croire que tu me fasses un truc pareil, Cook. De quoi tu parles, Paul? Espèce de petit snobinard à la con. Tous pas ma femme, t'as compris? Tu ferais mieux de partir avant que ça tourne mal. Espèce d'enfoiré. Ne lui fais pas de mal, Henry. Yeah. Oh, la droite! Allez, va-t'en. Je serai à la maison, Darcy. Prends soin de notre fils. Oh la vache. C'était d'une violence. Bonjour. Vous êtes si belle que ça? Eh, elle a pas l'air moche. T'arrêtes de piquer. Putain, elle picole. Hein. Désolé que vous ayez assisté à cette scène. C'est plus calme par ici en temps normal. C'est même l'endroit rêvé pour prendre un verre si vous avez les moyens de vous l'offrir. La dispute, c'était quoi cette dispute? Ah, rien de spécial. Darcy, ici présente, aime se détendre et profiter de la vie de temps à autre. Ce qui n'est pas le cas de son mari, Paul. Il n'est pas méchant, attention. C'est juste qu'il est un peu coincé. Il sait pas ce qui est bon, pas vrai, Darcy? La ferme, je suis pas là pour parler de Paul. Vous, là, c'est la première fois que je vous vois ici. Rendez-vous utile, payez-moi un verre. C'est ma tournée. Avec plaisir. Remettez la même chose à la dame. Vous voyez quand vous voulez. J'espère que vous allez rester un moment. Je sens qu'on va s'entendre. Eh ben. Gratuite, c'est le meilleur moyen de te séduire. Vous voulez que je vous serve quelque chose? C'est chez vous? C'est chez vous ici. C'est exact. Propriétaire, barman, oreille compatissante. J'essaie d'offrir une petite oasis de calme ou se remettre des difficultés de l'existence. Oh. Je m'appelle Cook, au fait. Henry Cook. Si je peux vous offrir quoi que ce soit, dites-le moi. Qu'est-ce que t'as à vendre? Voyons ça. Allez, cul sec. D'accord. T'as un petit peu de fric, ça peut être intéressant. Ah bah parfait, regarde, hop. Et hop, t'as plus d'argent. La tronche qu'il a tiré, il a même rien dit. Excusez-moi. Alors Darcy. Vous êtes au seul endroit où ça vaut la peine d'aller dans le coin. Hop. Ici, c'est l'endroit à fréquenter. Tous les gens qui valent quelque chose viennent voir ici. On a des tas de trucs différents. Ne soyez pas timide. Asseyez-vous et prenez un verre. C'est formidable d'être assis dans les gradins, non? On aurait envie. Ok, peut-être pardon. Plus tard. Aucun problème. On va se bouger parce qu'apparemment, la dame ne veut pas me parler. Oula. Oula. Bla. Bon, un problème. Putain. Oh, c'est pas possible. Tu snobinard à la con. Bon, baston. Femme, t'as compris? Tu ferais mieux de partir avant que ça tourne mal. La espèce d'enfoiré. Ne lui fais pas de mal, Henry. Bim. Raté. Go, droite. Gauche. Et droite. Bah alors? Allez, va-t'en. Je serai à la maison, Darcy. À prendre soin de notre fils. Kenigou qui le regarde, genre. Bah alors, t'es une pauvre merde. Un vrai gars, il se serait défendu. Désolé que vous ayez assisté à cette scène. C'est plus calme par ici en temps normal. C'est même l'endroit rêvé pour prendre un verre si vous avez les moyens de vous l'offrir. La dispute. C'était quoi? Ah, da, il n'est pas. La fête. Vous là. Rendez-vous. Bien. C'est avec ma tournée. La tournée. Vous voulez que je vous serve quelque chose? C'est chez vous. C'est chez vous ici. C'est extra. Ok. Voyons ce que vous avez. Allez, cul sec. Ok. Allez, je te revends un petit peu. Je te repique ton pognon. Tu l'as pas su, mais juste avant, j'ai piqué ton pognon. Ah, il a plus d'argent. Dommage. Ça t'aura pas été méga utile. Bon, excusez-moi. Madame. Excusez-moi. Vous êtes au seul endroit où ça vaut la peine d'aller dans le coin. D'accord, pas plus que ça. Ok, bon bah on sort, tant pis. Tant pis.
Hop. Ah bah tiens. Je suis peut-être programmé pour servir, mais dans votre cas... Attendez, il y a des boîtes aux lettres. Ça implique qu'il y a des gens ici? Ah ouais. D'accord. Carrément. Ok, pourquoi pas. On va aller voir un Neighborhood, parce qu'on n'a pas trop visité la dernière fois. Ah oui, je voulais voir un truc. La lampe, elle est où? Elle est derrière. Alors maintenant, hop. Maintenant, j'ai envie de voir si je fais hop. Est-ce qu'elle est éclairée? Pas plus que ça. Parce que pour moi, techniquement, c'est la lampe qui est derrière en blanc, là, qui éclaire le reste, en fait. Mais je me trompe. Good neighbor. J'ai dit neighborhood, non, plutôt. C'est good neighbor. Bon. Hop. Vivement qu'ils sortent des vrais packs de textures 4K. Hein, parce que putain. Quand on fait la transition avec. Avec. Comment ça s'appelle? Avec Battlefront, ça pique les yeux quand même un petit peu. Pourtant, le jeu est beau, hein, et artistiquement, il est très joli. Bon, là, il y a des ENB et tout ça qui sont placés, mais. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas là que je voulais aller. Ah, merde. Bon, c'est quoi, là? Oh. J'ai l'impression que vous êtes au mauvais endroit, Trésor. Vous n'avez pas l'air d'avoir besoin de l'antre de la mémoire. Est-ce que vous savez au moins ce qu'on fait, ici? Dites-moi. Aucune idée. C'est quoi cet endroit? Le nom aurait dû vous mettre sur la piste. La mémoire, vous voyez? Nous permettons à nos clients, triés sur le volet, de revivre leur passé. Mais nous n'acceptons pas n'importe qui. Persuadé. Je respecte votre prudence. Mais je pense être à la hauteur si vous me laissez ma chance. J'imagine que ça ne coûte rien de vous laisser faire un petit essai. Les souvenirs impliquant d'autres personnes sont les plus faciles à récupérer, surtout quand ils sont récents et liés aux proches. Quelque chose vous vient à l'esprit? Y a-t-il d'autres possibilités? Ça pourrait pas être sur autre chose? Il s'agit d'un essai. Je veux voir comment vous gérez un souvenir bien net. Et depuis que je fais ce métier, j'ai pu voir que l'amour et la famille étaient les sujets qui fonctionnaient le mieux. Mon fils. J'ai perdu mon fils il y a peu. Il s'est fait enlever. Je ferai tout pour le retrouver. Un enfant disparu? C'est affreux. Je suis vraiment désolée, Trésor. Mais on devrait pouvoir vous aider. Très bien. Installez-vous dans la station. Non, pas tout de suite. J'aime pas qu'on me manipule. Encore moins quand on manipule mes souvenirs. Ouais, j'aurais pas dû rentrer là-dedans, j'étais con. J'essaie de me tenir à carreau. Alors me forcez pas à faire un truc que je pourrais regretter. Hop, allons là-dedans. Hôtel Rexford. Fred, tu vas encore passer ta journée dans le hall à te tourner les pouces ou tu vas descendre pour bosser? Oh, la violence. Mais je bosse. Il n'y a pas que la fabrication qui compte. Je fais le ménage, moi, c'est tout. C'est important d'accueillir les clients aussi. Ouais, ouais. Et c'est important de goûter la marchandise aussi. Si tu consommais un peu moins... Permettez que je fouille un petit peu. Tu rigoles. À quoi ça sert de fabriquer de la dope si on peut même pas en prendre un peu? Ah, voilà un tenue intéressant. Hop. Ah, j'ai placé l'antiseptique, dommage. Ça, va falloir que je trouve le pistolet avant de faire quoi que ce soit avec. Ah, les cartouches sont intéressantes. Hop. Ok. Il s'est barré, l'autre abruti? Faire les poches. Mot de passe de Fred Allen. Ouh. Allons voir ça. Oh. Oh. Oh.
Oh, j'ai tout pris. Oh, le pauvre homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Accès au système. Pour être un grand, mieux je vendrai au client. Franchement, des fois, je me fais peur tellement, je suis malin. Qui est con. Le jet. Putain, je vole. Les mantas. Le buff out. D'accord, c'est ses expérimentations à lui. Ah putain, il m'a vu. C'est peut-être fini. What? Se passe quoi? Il s'est passé quoi? D'accord, faut mieux pas en fait pendant qu'il est là, en fait, il est réveillé. Tant que je suis devant lui, il me détecte. D'accord, pourquoi pas. Je fais le ménage. Par contre, c'est casse-couilles qui sont tous éclairés en bleu, les gens, c'est d'une violence. Je vais aller droit au but. On a des chambres. Enfin, une. Pourquoi tout ce bleu? C'est moche. Cet hôtel était déjà miteux à la grande époque. Alors c'est moche tout ce bleu. Bon, laisse-moi sortir. Good neighbor. Hop, est-ce qu'il y a un autre magasin, un autre machin, un autre truc? Voilà qu'on me laisse des messages en plus maintenant. Putain, je vais pas réussir à le tourner cet épisode. Vous me direz, heureusement on est sur la fin. Hop. Allez fourrer votre nez ailleurs. Entrepôt. Mais il y a une échelle d'entrepôt en fait. Je suis con, c'est quoi ce truc là? Le troisième rail. Le troisième rail. Oh putain, j'aurais pas dû dire ça. Non, c'est le troisième rail. Mais c'est vrai que je trouvais que ça faisait un petit côté. Bonjour. Hancock dit que tout le monde est le bienvenu au troisième rail. Alors entrez. Merci. Quoi? Vous cherchez MacReady vous aussi? Ouh. Il est derrière. Ouais, j'adore cette chanson. Pour les avoir bien accrochés pour débarquer ici. Vous me pompez mon espace vital, monsieur. Je peux pas dire que ça me surprenne de te voir dans un trou à rat pareil, MacReady. Je me demandais combien de temps il faudrait à tes chiens pour me retrouver, Winlock. Ça fait presque 3 mois. Me dis pas que t'es rouillé, si on allait régler ça dehors. Pas la peine. Je viens juste apporter un message. Au cas où t'aurais oublié, j'ai définitivement quitté les artilleurs. Ouais, il paraît. Mais tu continues à bosser dans le Commonwealth. Et ça, ça nous plaît pas trop. J'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Plus maintenant. Alors, je te conseille de prendre ta copine et de mettre toujours en état de marché. Quoi? Winlock, dis-moi qu'on n'a pas à entendre ces conneries. Écoute, MacReady, si on t'a pas déjà transformé en passoire... D'accord. C'est uniquement parce qu'on ne veut pas se retrouver en guerre contre Good Neighbor. Tu vois? On respecte le territoire des autres, nous. On connaît les règles du jeu. Mais toi, tu les as jamais apprises. T'as raison, Kenigou, viens l'emmerder. Tu peux jouer les durs tant que tu veux, mais si on apprend que tu continues à bosser sur le territoire des artilleurs, t'étonne pas s'il t'arrive des problèmes. C'est compris? C'est bon, t'as fini? Ouais, on n'a plus rien à se dire. Viens, Barnes. Écoutez, vieux, si vous racolez pour les enfants d'Atome ou si vous cherchez un ami, allez voir ailleurs. Par contre, s'il vous faut un mercenaire, on peut discuter. Au chômage. Vu ce que je viens d'entendre, on dirait que vous êtes au chômage. Vous voulez rire? Je vais pas laisser 2 blaireaux des artilleurs m'empêcher de trouver du boulot. Ça vous fait comme si je savais de quoi vous parlez. Vaut peut-être mieux que vous le sachiez pas. Je voudrais pas que Winlock et Barnes... Uh-huh. Et vous? Qu'est-ce qui me garantit que vous me flinguerez pas dès que j'aurai le dos tourné? Rien. Rien du tout.
Mais ça fait partie des risques, non? C'est pas faux. Je vais vous dire. Mon tarif, qu'est-ce que vous en dites? Non. Pas question. Ça vaut dans les... Si vous changez... Non, je suis bien avec Canigou, je suis désolé. Alors on va faire comme dans un vrai, on va attendre que la fille ait fini de chanter. Vous savez pas où dormir. Relax, mec. Il y a une partie du bâtiment que j'ai pas accès. Tu peux pas avoir accès à tout le truc tout de suite. C'est pas possible. Yo, l'ami. Passez un bon moment. Ouais, y'a un truc qui va pas. Y'a clairement un truc qui va pas. Toujours aussi belle, Magnolia. Merci, Charlie. Tu peux me servir un verre d'eau? C'est déjà fait. Je mets toujours. Excusez-moi, mademoiselle. Rien que pour toi. Qu'est-ce qui va pas, beau gosse? Me dites pas que vous aimez pas ma chanson. Super chanson. C'était magnifique. J'ai adoré. Oh, merci. Je fais de mon mieux. Vous êtes pas comme les autres, on dirait. Dites rien. Laissez-moi deviner. Je sais reconnaître un autre artiste quand j'en vois un. Vous avez un don avec les gens. Vous savez leur parler. Vous trouvez toujours les mots justes. Alors, qu'est-ce qu'un homme comme vous vient faire ici ? Pour la musique. Je suis là pour la musique. Forcément. J'adore les flatteries. Je sens qu'on va bien s'entendre. Ouais. C'est à mon tour de répondre aux questions, non? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ouf. Ouh là 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 là. Flirter, tiens donc. Ah bah c'est je parti. Je me demandais si on pouvait apprendre à mieux se connaître. Vraiment? C'est la barbe. Allez-y. Flirter plus. Vous et moi. Une promenade au clair de lune. Et ensuite? Flirter encore plus. La musique. Je savais bien que vous étiez pas comme les autres. D'accord. Ouf. Je prends mon manteau. Eh ben dis donc. Proposez de sortir. Fichons le camp d'ici. D'accord. Je prends mon manteau. Intéressant ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hey, ta femme est morte sous tes yeux, Mouduglan. Oh putain. Ça faisait vraiment trop longtemps que je m'étais pas promenée en ville. Mais j'ai peur que mon seul et unique amour ne soit la scène. J'espère que vous comprenez. Je ne peux pas trop m'attacher. Je vous reverrai à Good Neighbor. Quand je chante, je penserai à vous. J'ai trompé ma femme. Même si elle est morte, c'est glauque. Je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Je m'attendais à l'avoir en follower, mais pas... What? Oh, bonjour. Marowski. Il en a Marowski. Je vais plus jamais la refaire, ça. What? Non. C'est... Mais... What? C'est vous. Vous êtes de Sanctuary Hills, c'est ça? C'est le mec au tout début du jeu. Du jeu. Oui, c'est moi. Ouais. Je suis de Sanctuary. Quoi? Vous ne vous souvenez pas de moi? C'est moi qui vous ai vendu votre place dans l'abri. Pas de bol. Moi, j'ai pas eu mon billet d'entrée. Oh merde. Mais vous... Wow, 200 ans et vous êtes toujours au top. Oui, les ghouls ne meurent plus par l'âge. C'est possible. Stas cryogénique. Il y a une capsule cryogénique dans l'abri. Je sors à peine d'un long sommeil artificiel. Quoi? Voltec nous avait jamais parlé de ça. Incroyable. Ben moi, j'ai dû apprendre à vivre dans le nouveau monde à la dure. Oh, pauvre petit père. Des immondices, de la pourriture, des bains de sang. Ouais, je comprends. Regardez-moi, je suis une goule, un monstre. S'excuser. Je ne sais pas quoi dire. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Vous savez, vous êtes la seule personne d'avant que j'ai rencontrée. Je... Oh, bon Dieu,
Je me suis senti tellement seul ici. Qui voudrait d'une vieille goule qui est bonne qu'à vendre des places dans des abris Voltec? Elle est à Sanctuary. Eh, hey, vous pourriez peut-être retourner à Sanctuary. Je viendrai vous rendre visite, promis. Vraiment? Bah oui. Vous le ferez. Allez, okay. Roule. Je vais y aller de ce pas. Vous me promettez que vous viendrez me voir, hein? Je vous attendrai. C'est vrai que ça fait un bail qu'on n'y est pas allé. Ok, bah cool. Bah putain, on a fait de ces rencontres dans ce... dans cet épisode. Nom de Dieu. Ha, putain. J'ai couché. Bon, bah c'est cool. C'est d'une violence. Je m'attendais pas à ça. Bon bah écoutez, on va mettre fin à l'épisode ici parce que je suis sur le cul. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, d'en faire trouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer dans le descriptif de l'épisode de mon partenaire GamesPlanet.com qui m'a gracieusement fait le jeu. Et encore une fois, je vous remercie vous et eux de votre sympathie. Encore une fois, merci à vous. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et moi je vais aller me prendre un verre. Hop. Et on se retrouve tout de suite pour la suite. Et pour vous, c'est demain. Allez, à tout de suite.